victoire 2-0 au club madrilène dans cadre Super Coupe d'Europe. Real Madrid pas joué à finale lui-même. C'est gagne ça. Tap tap sin. Pour l'argent en Haïti by famille ou examen ou pas compliqué. Ou même quand vivre l'autre bout de l'eau, télécharger l'application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou bien zan moun kan Haïti, juste besoin de gagner mon cash énergie pour le capable de recevoir l'argent sur compte mon cash. Li. Et ça qui belle là, dans Tap Tap Send tout, ou même qui gagne un compte Sogebuck en good ou en douleur, eh bien, moun ki l'autre bout de l'eau capable de voyer l'argent pour en douleur ou bien en good sur compte Sogebuck. Ça qui belle là, utilisez pour mon code moyen ou même quand faire transaction, hein? Utilisez pour mon code moyen qui c'est KIMHAITI, K-I-M-H-A-I-T-I, ou bien 15 dollars sur première transaction. Hein? Pas oublier, Sogebuck rentre dans Tap Tap Send ou capable de voir l'argent pour moun en Haïti sur compte Sogebuck Good ou bien Dola et compte mon cash élargi moun. C'est Tap Tap Send lié. L'automobile, téléchargez l'application l'automobile sur Google Play Store ou placez par Sportifo. Paris simple, paris multiple, paris combo. Et l'automobile gagne basketball et tennis sur application. 11 Atalanta, 11 Real Madrid. 11 Atalanta, c'est Moussou, d'accord? Jim City, stopper droit. Gagne Isaac Yen, suédois, qui est libéré. Kolasinac, stopper gauche. Deux demi latéraux, c'est Matteo Ruggeri, David Zapacosta, que t'es rien. De Houn, et puis Ederson, Pasalic, Nando, Charles de Catler, et puis Ademola Lookman, qui était démoli équipe Bayer Leverkusen dans la finale Coupe de l'UEFA. C'est ça qui fait équipe Atalanta croiser Real Madrid parce que c'est deux champions qui tenaient bataille. Faut équipe Real Madrid là, Thibaut Courtois, Nankan, Caval, latéral droite, latéral gauche, Mendy, Militao, Odiger, Federico Valverde, Aurélien, Tchouameni, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé. Premier match Mbappé sous couleur équipe Real Madrid. N'a dit que match football lancé avec équipe Real Madrid là t'es gagné possession ballon. Hein. Et 15 premières minutes, c'était quand même une équipe Real Madrid qui t'es gagné ballon hein, avec équipe Atalanta qui t'es prend une position basse contre Real Madrid. Mais par la suite, autour de la 20e minute de jeu, nous venons voir une équipe Atalanta qui est beaucoup plus entreprenante, qui prend Real Madrid très haut. Et Real Madrid a gagné pas mal de difficultés en dans la première période. Ça, c'est pas pour sa raison, pour le monde qui a regardé le match de football, tu es capable de constater que Thibaut Courtois, à plusieurs reprises, a fait des longs balls. Thibaut Courtois, à plusieurs reprises, a sorti dans surface libre pour la dégager. Et c'est ça que t'es gagné en d'abord période là pour l'équipe Real Madrid là, parce que Real t'es gagné quand même difficulté pour t'es sorti avec ballon qui fait que tout le temps d'abord période là, Thibaut Courtois t'es non logique pour allonger jouette là. À la 24e minute de jeu, Real Madrid manque prend goal avec une touche de David Zapacosta et puis il y a Martin de Houn qui fait un centre et ballon en dévié dans tête et des Militao qui a frappé dans bord transversal Thibaut Courtois. Real Madrid était chaud sur action ça, il était capable de prendre goal. Mais c'est ton premier période côté que équipe et Atalanta était tactiquement très bon, empêcher équipe Real Madrid de développer jouet li. Et nous tentons Real Madrid de te gagner Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, ajouté avec Federico Valverde, te gagner pas mal de difficultés pour te sortir sous pression. Parce que ce soit prendre Ruggeri, demi latéral et gauche, ou prendre Zapacosta, demi latéral droite, ajouté à deux milieux de terrain, qui c'est Martin de Houn et puis Ederson, les gars, t'as chassé ballon, pressuré et joué équipe Real Madrid, mettez en pile intensité, en pile volume, en pile agressivité, surtout le bagage ballon qui te rend équipe Real Madrid là, t'es très vulnérable. Le Real était gagné pas mal de difficultés pour être organisé jouette avec Courtois qui était obligé de temps en temps à faire des longs balls, à dégager pour l'équipe Real Madrid. Là. Real, dans fait pour la période, tu es capable et l'ouvrir score 45 plus 1. Il y a un superbe passe extérieur, pied gauche de Vinicius. C'est ça où il est. Mais dans le passage, Vinicius fait quand même
deux bonnes actions dans la première période. Gayoun pour en louche pour Jude Bellingham qui sous action ça prend carton jaune parce que il fait contrôle et pour la jouer ballon mais il frapper goalkeeper qui était anticipé. Et puis deuxième là c'est superbe passe de l'extérieur ça de Vinicius pour Rodrigo. Bellingham te joue de manière très intelligente, il connaît la position avancée, c'est sorti l'a sorti dans le jeu alors que Rodrigo pas dans position avancée hein. Et bien belle passe de Vinicius, frappe pied gauche de Rodrigo, ballon frappé dans barre transversale, c'était seule grosse occasion pour l'équipe Real Madrid là. Pour la période, c'est ton pour la période qui pas gagne pile occasion, mais tactiquement équipe Atalanta était plus bien sorti. Atalanta était plus bon, était dans match plus que l'équipe Real Madrid là, parce que ça qui était important pour l'équipe Atalanta, c'est empêcher l'équipe Real Madrid de développer jouet li. C'est empêcher gagner connexion mitan terrain attaquant. Et c'est pas pour sans raison, en d'abord période ça, Vinicius à plusieurs reprises retourné dans 25-30 mètres Real Madrid pour la sorti avec ballon, gagné tonton ça qui même les Rudiger qui pratiquement a monté avec ballon, c'est parce que tu as gagné difficulté pour ballon t'es sorti. Les valables tout pour Rodrigo qui t'est retourné vienne participer dans l'élaboration construction parce que la transmission ballon, transmission était très lente pour l'équipe Real Madrid là qui était quand même en cachure en milieu terrain avec ligne attaque là. On est qu'on est obligé au songer course. On est donc on est pour y bah ouais. Dire songer course, songer course. Mais course pas là encore. Obligé vivre avec Sorgen. Obligé vivre avec Chouamini, Kamavinga, Bellingham, Ceballos, Arda Güler, Luka Modric. Course pas là encore. Pas venir parler de Toni Kroos parce que le pala il prend une retraite. Deuxième période là, Real Madrid manque de prendre un goal. Bon si c'est vrai, dans début deuxième période là, Mbappé et c'était premier joueur qui fait une tentative pour Real Madrid frappe lien est complètement dévissé. Il était un petit, il était dans zone l'élan, il était lié pratiquement sur l'axe, il pas en position de 9. Atalanta manque fait goal tout de suite après action ça de Kylian Mbappé. Et un centre de Roum qui pratiquement prend ballon, mettait sous tête Mario Pasalic. Et qui font superbe coup de tête, monsieur, n'a que défense Real Madrid là, et monsieur font coup de tête dans deuxième poteau. Et Thibaut Courtois fait arrêt spectaculaire ça, monsieur volé, t'as comme un ange, pour, retirer ballon, et dans goal là. Parce que ça, c'est goal clair. Thibaut Courtois dit non, ballon, pas rentrer dans le cas. Et, gros bagage qui est très important dans le cas de Thibaut Courtois. Lorsqu'il a retiré première saison, monsieur, le Navas, t'es quitté l'équipe Real Madrid, donc il fallait qu'il t'ait dit bon, ok, Navas t'es bon, pris ça, c'est Courtois, Courtois pas plus bon que Navas. Parce que, au fil des années, même fanatique ça, qui t'a parlé de aspect nationalité pour Kylian Navas, au fil des années, il a fini par, ouais, et d'accord que, il était quand même gagnant en position méchante. Courtois puis qu'on fait quand que Navas. Et au final, c'est une réussite totale liée en termes de non seulement potentiel et accomplissement impact sur le résultat Real Madrid. Peut-être si Boul ça fait goal, tu es capable de gagner l'autre issue dans match. Peut-être match là tu dois avoir l'autre gens. Mais, il y a toujours dit, l'homme en situation inconfortable, faut ou gagne un gardien de classe mondiale qui pour sauver un rien ou. Courtois, pas de trois moments dans le match ça pour te déployer tout petit mot Courtois. Mais, action ça, côté que, côté ça de Pasalic, a les spectaculaires ça de Thibaut Courtois. C'est tout dans le match ça, dans le désavantage Atalanta. Parce que par la suite, le match là, pral débridé, et c'est ça Real Madrid remet. Atalanta qui met en pile intensité, en pile pressing, en pile puissance, en d'abord la période là, eh bien, à l'heure de jeu, l'équipe là, pratiquement vint casser, m'a parlé de l'équipe et Atalanta.
et Atalanta pral pran gol nan match ball ça à la 59e minute de jeu. Donc ou pratiquement arrivé à l'heure de jeu, Atalanta pral pran gol. Vinicius anti Bellingham pour Vinicius. Vinicius fait dribble pour mettre dans le vent stopper droit qui c'est James City. Et puis malheureusement Guiyin Yin qui c'est libéro qui pas arrivé avec le ballon, le Vinicius a bay ballon en plein axe. Et puis le plus facilement du monde, Andy Valverde mettait ballon en camp. C'est quand même un travail génial de Vinicius qui mettait dans le vent Henri Erlan. Et puis il fait centre à sol et 1-0 avec Golsa de Federico Valverde. Mais un très bon travail de Junior Vinicius. Maintenant, tout de suite après gol ouverture du score là, Real Madrid déchaîné. Real Madrid déchaîné. Vinicius, un superbe appel rentrant de Vinicius, plein axe, passe de Bellingham pour Evini. Et frappe Junior Vinicius là, un superbe arrêt de Mousseau face à face à l'gain Vinicius. Real Madrid manquait 2-0. Et sous même continuité frappe Vinicius que gol qui va avoir en corner, Real Madrid manquait fait 2-0 après ça. Corner fait dégagement, gain Bellingham qui fait frappe là, qui contre dans pied Isaac Yen, ballon monté, Yen Mousseau sauve ballon sous ligne. Et Der Militao, soit action ça, qui frappait dans poteau, plus de peur que de mal. Eh bien, c'était quand même une autre situation de but pour l'équipe Real Madrid. Après 1-0, 59e minute de jeu, 61e minute de jeu Vinicius, 62e minute de jeu et Jude Bellingham. 4 minutes après, un superbe contrôle orienté de la part de Bellingham. Frappe dans le premier poteau, arrêt de Mousseau qui quand même fait un très bon match pour l'équipe football ça. Et puis, 2-0 en Galvini à la 68e minute de jeu. Yon interception pressing de Odigo, parce que Odigo, pour beaucoup, dans le gol ça, il pressure et stopper équipe et Atalanta, il joue pour Vinicius, qui fait appel de balle là. Et Vinicius, ouais, Mbappé, en pleine course, pour l'observer Mbappé, Mbappé, pas guet arrivé. Et qui est-ce qui vient récupérer le ballon? C'est Jude Bellingham qui récupère le ballon. Mbappé fait sa relais, appel. Contre-appel, et l'ambralé, non, c'est pas l'ambralé, m'a changé de direction, et non, appel, contre-appel, sa belle passe de Jude Bellingham, et voilà, Mbappé avec pied droit, il va le faire 2-0 pour l'équipe Real Madrid. Donc, 1-0 que Atalanta a manqué fait 47e minute de jeu, après ça, nous capables de constater, moi, quand on a fait le match là, c'est Real Madrid qui pratiquement mangé l'équipe là. Ça veut dire, sorti 59e minute de jeu, goal, 68e minute de jeu, t'es quand même gagné plusieurs grosses situations, plusieurs occasions de but pour Real Madrid. Qui pratiquement mettait dehors l'équipe et Atalanta. À 2-0, match nommé l'équipe Real Madrid là, et pral gagné des changements pour Real avec Odigo qui va le sortir. Modric rentré, Mbappé sorti, Brahim Diaz rentré, Mbappé 83e minute de jeu, Brahim Diaz rentré, changement Modric là, et Rodrigo Modric là, 76e minute de jeu. Vinicius pral sorti, 88e minute de jeu, pour rouler rentré, ça m'a dit là, Liva Lamtou, Bellingham qui sorti, pour Sebaos rentré, Lucas Vasquez et rentré, et Cavall sorti. Donc c'était ça que t'es gagné. Donc Real Madrid tué match là. 59e minute de jeu, 68e minute de jeu. Ça veut dire, dans l'intervalle et 11 minutes, Real Madrid finit avec match-là. C'est, on dit, 9-10 minutes, Real Madrid finit avec match-là. Il plie, parce que individualité Real Madrid, il fait différence-là. Real Madrid gagne compétition, on dit, en Super Coupe d'Europe-là. Et 2002, 2014, yo gagné, 2017,
Atletico Madrid te gagne youn, te gagne youn en 2018. Et puis même équipe Real Madrid ça gagné en 2022 Super Coupe d'Europe, peut-être battre Francfort et yo gagne 2024. Donc Ancelotti c'est un entraîneur qui est plus titré dans affaires Super Coupe d'Europe. Donc Real Madrid et dernière fois qu'ils ont perdu dans la Super Coupe d'Europe, c'est en 2018. Donc Real Madrid avec Super Coupe d'Europe, c'est quand même une très belle histoire. Tout n'a pas parlé du club madrilène. Maintenant, Bellingham. Si on prend le match Real Madrid, là, et une chose qui est très importante, ou pas capable de faire une conclusion hâtive sur son grand match pour une équipe. Et qu'on est que c'est le premier match officiel équipe là. On est que Real Madrid pas gagné Toni Kroos. Donc joueur ça yo, yo va le besoin jouer plus ensemble. Parce que pas gagné Toni Kroos, c'est pas Toni Kroos qui blessé, donc pas gagné Toni Kroos obligé préparer en conséquence. Nous te voyons en première période, c'était une équipe Real Madrid qui a pas mal de difficultés pour te sortir. On parlait de aspect Thibaut Courtois qui a fait long ball et Real Madrid était allongé jouer là en pile et Monterrey met Rudiger en opposition centrale hybride. De temps en temps, après une projection, est-ce que c'est une nouvelle ZAM de Ancelotti? Kembe Sandia, Rudiger, défenseur hybride qui a monté de temps en temps. Est-ce que c'est une nouvelle ZAM de Ancelotti pour créer surnombre là, pour créer supériorité numérique là? C'est tant qu'à dire nous, mais nous t'es ouais ça dans match ça. Nous t'es ouais difficulté que Real de gagner surtout en première période pour te sortir avec ballon propre. Si beaucoup toi t'es obligé à allonger, ça c'est ton constat. Dans la première période là. Dans la deuxième période là, nous avons l'autre Real Madrid qui a gagné en beaucoup plus de dynamisme. Une équipe avec Bellingham en deuxième période qui était très bon. Techniquement, il fait ça pour le faire. D'ailleurs, les buts, les passeurs et pour le deuxième goal là, il contribue dans le premier goal là. D'ailleurs, c'est lui-même qui, avant dernier passeur, sous goal Valverde, a remis le comportement de Bellingham en deuxième période. Dans la première période, là, c'était moins beau. Mais dans la deuxième période, là, c'était quand même un lot Bellingham en dans la deuxième période. Là. D'ailleurs, Bellingham a coupé un peu l'espace, bouché tout. C'est un joueur qui est jeune, 21 ans, qui a pile énergie. Mais dans la deuxième partie terrain, en deuxième période, il était excellent en deuxième période, dans la deuxième partie terrain. Donc, Bellingham, meilleur joueur match là. Et c'est un meilleur joueur qui méritait, même le Vinicius, t'es capable de gagner titre de meilleur joueur là. Parce que Vinicius, en d'abord la période là, pendant Real Madrid t'es gagné pas mal de problèmes en la première période là, Vinicius quand même bail deux caviar. Youn pour Bellingham, qui prend carton jaune, et puis youn pour Rodrigo. Ça veut dire, deux rares situations, deux rares occasions que Real Madrid t'es gagné, c'était quand même et Vinicius qui était à l'origine de yo, passe de l'extérieur ça, et puis passe ça en louche pour en Bellingham. Deuxième période là, li raté en face à face avec Juan Musso, mais c'est lui-même qui était élément prépondérant qui déclenchait et goal ouverture du score là. Ça c'était très important pour l'équipe Real Madrid. Donc Vinicius était capable de meilleur jouer au match en tout parce que il était très bon dans la première période. Là c'était joueur Real Madrid en première période, en attaque qui était beaucoup plus en vue avec deux situations pour l'équipe Real Madrid en première période. En deuxième période il était bon et c'est lui-même qui était déclenché avec passe décisive ça pour Valverde. Donc Vinicius était capable de meilleur jouer au match en tout sans problème. Même le Bellingham était très bon en deuxième période là et où t'es ouais ça a mis ta terrain t'es joué d'une autre façon avec un match tout qui était un petit peu débridé avec Atalanta qui était moins physique. Mbappé ou pas qu'à ça c'est pas le genre de match qu'on peut dire c'est un match et ballon d'or pour Mbappé, c'est pas ton match fameux, mais bon bah pour nous comprendre tout, pas oublier Mbappé sorti en France et en Espagne, nouveau coéquipier et là l'a joué en position de 9, déplacement Vinicius, déplacement Rodrigo, l'hypothèque que j'aime jouer ça dans match officiel, match amical, pas match officiel, préparation, saison pas officiel, c'est terrain, hein, c'est compétitivité, hein, c'est adversité hein, qui peut permettre que y ait un jeu d'ensemble, y ait un chemistry Jean-Américain Mendy là, entre trio ça. Bon, il est clair que attaque Real Madrid, là, plus de 50 à 60% attaque Real Madrid, pour le faire sur le côté gauche là,
avec zone de prédilection Vinicius et Mbappé. Mais Libral prend temps pour la Ponticastan pour jouer ça yo adapter yo ensemble. Connecté la combinaison, déplacement et comment on a combiné. Même t'es aimé l'attitude de Mbappé défensivement, qui t'est retourné, d'ailleurs, on s'est aussi félicité pour ça. Moi, t'es aimé l'attitude de Mbappé défensivement dans le match de football, ça a été participé dans la tâche défensive de l'équipe Real Madrid, le Real Madrid, pas de ballon. Ça, c'est un facteur qui est très important. Pas de presse, pas de roi, Jean et Ancelotti t'ont dit ça avant le match de football, ça, que pas de presse, pas de roi dans le Real Madrid. Mais, pour un premier match au buteur, ça, lui booster confiance là. C'est pas que match charme pour lui. Si pas de goal là pour Mbappé, ou pas t'as retenu trop de bagailles, il y a une action dans la période là. On sent que Federico Valverde lui font frappe qui contre encore arrière équipe et Atalanta. Et oui, il me parle de tâches défensives là. Mais c'est pas un match charme, mais un bagaille qui est très important. Non. Modèle match ça, au premier match où, fait goal pour l'équipe là, elle est quand même boosté ou, confiance ou, boosté confiance ou. Donc, Real Madrid gagné match football ça 2-0 avec une équipe Atalanta qui était très bon pour la période, mais qui était asphyxié en deuxième période. Et Real Madrid, c'est le genre d'équipe qui pas besoin de trop de bagaille pour le manger et ils ont mangé l'équipe Atalanta dans l'intervalle de 10 minutes, moins de 10 minutes pratiquement, parce que le premier goal lancé, c'est 59e minute de jeu, deuxième goal lancé, 68e minute de jeu, donc moins de 10 minutes, Real Madrid asphyxié, équipe Atalanta, c'est là où il crie plus occasion, c'est là où il fait du goal, mais nous ne pouvons jamais oublier que Thibaut Courtois fait un arrêt spectaculaire 47e minute de jeu qui empêchait Real Madrid lui-même pour un goal, un match football, ça. 2-0, Real Madrid gagne, super Coupe d'Europe là.